Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et à rester sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Commandant suprême, les forces armées de la République démocratique du Congo, la police, Naye, on a voté à la Bino, Kotpe Sabino Mbote, et outil et paille Naye, Pekope Sabino, encouragement. Le commandant en chef des FARDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Mikeno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FARDC aux troupes. Soucieux de l'encadrement de ses éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne.